Donc c'est... Ouais, non, non, c'est bien, on a eu un œil qu'on n'avait pas. Nous en avons donc 10. Pissepartout est content. Plus le Witch Eye, ça fait 11, et maintenant, après, il faut qu'on... Eh, après, sinon, villageois, cléric. Cléric, on le fait pex, on lui donne, on le gave à l'émeraude, là, on lui fait... là. Et puis... Alors, Darky, je viens de trouver 12 coquilles de Nautil dans un seul coffre. Ah, bien. Ce qui t'en fait? Bah, ce qui m'en fait 17, hein. Oh, bah, c'est win. Ah oui, 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 totalement. Bah, y a plus qu'à aller chercher du corail. T'as vu ce qu'il faut pour le craft? Pas du tout. Alors, laisse-moi te le dire. Laisse-moi taper sur cet ordinateur. Alors, il te faut un... Bah, au pire, tape exotique à œil. Il l'appelle l'œil exotique ou quelque chose comme ça. Il faut un œil de Lender. Il faut deux glowing sacs pour ça. Il est pas traduisé. Il est pas traduisé. Ok, ok. Bon, bah, t'as vu, il faut un tube coral, un fire coral, un bubble coral, un horde coral. Je me fais attaquer et noyer. Donc, faut que t'ailles dans un océan chaud et que tu cut hush. Par contre, je sais pas si Sterni, si tu les coupes comme ça. Comment les chope Je crois pas, non. Il me semble qu'ils ternissent pas. Ils ternissent si je les mets à l'air libre, si je dis pas de conneries. Ah ouais. Ça va pas trop durant sans le clavier. En vrai, je suis sympa avec le clavier. Bon, là je l'ai. Je pense que c'est la première fois que je le maltraite. C'est vous dire à quel point mon self-control est incroyable. Je me self-contralise vachement bien. Moi, c'est quand j'étais plus jeune que j'étais un rageux. J'étais un gros rageux. Alors, j'arrivais toujours. Mais je crois qu'il y a un moment. Je m'énervais, je sais plus sur quel jeu. Je vais avoir 14 piges. Je mordais ma manette de rage. Ah oui, quand même. Ah ouais. Je la mordais jusqu'à ce qu'à un moment ça pète, quoi. M'étonne que j'ai perdu mes dents plus tard. Non, je déconne, c'est pas que... Alors, rageux, tranquille, hein, dans mon coin quand même. Mais, quand j'y arrivais pas. Voilà. Et encore, tu n'as pas joué à Rick Dangerous. Sinon, ouais, les coups de rage que j'ai les plus. Alors, parce que là où je rage encore. Alors, on a changé de... Parce que moi, je rage plus trop sur les jeux, même si ça peut m'arriver de rager. Mais moi, là où je rage, c'est mon montage. C'est-à-dire que je suis en train de faire du montage, et tu sais, il faut avoir un réflexe que n'importe quel animateur 3D, monteur, ce que tu veux, tout ce qui est dans le domaine graphique, chaque action que tu fais, c'est CTRL F5, c'est CTRL S, c'est CTRL tu sauvegardes toutes les 5 secondes. Si tu le fais pas... Et le problème, c'est que voilà, comme quand tu codes, quand tu fais des trucs, voilà. Et de temps en temps, ça peut arriver que je sois un peu, tu sais, j'ai un peu la tête ailleurs. Et je commence à monter et j'ai une vidéo de 20 minutes. Sauf que la dernière fois que j'ai sauvegardé, la vidéo, elle était à 2 minutes. Et mon logiciel crash. Je rouvre le logiciel. Ça m'est arrivé pas plus tard que bah, tout à l'heure. Le logiciel, il a crashé. Ah bah, j'ai mis du... Je peux te dire que j'ai mis du point sur la table, hein, parce que j'ai perdu bah, l'équivalent d'une vidéo, quoi. Y a pas des save auto. Alors, les save auto, c'est le loto. Quand tu l'ouvres, ça peut autant te donner plus, autant t'en donner moins. Mais généralement, c'est claqué au sol. Les save auto, elles marchent pas toujours. Et pour beaucoup, c'est comme ça. La save auto, c'est toi. C'est toi la vraie save auto. Parce que des fois, ça crash. En mode, tu peux avoir des bugs qui font que la sauvegarde, elle a pas pris. Donc il faut jamais s'en remettre à une save auto. Même si de temps en temps, ça m'a sauvé la mise, mais pas souvent. Oh non, mais il y a un mec avec une bannière, si je le fais, je déclenche une guerre. Si je déclenche une guerre, je peux pas prendre le cléric. J'en ai pour 8 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a pas un océan chaud, parce que c'est inquiet, j'ai pas de... Je sais pas, moi je voulais dialoguer avec les villageois, mais si je laisse ce putain de pillager, bah voilà. Voilà, raid. Voilà. Et ça, et bah et voilà. J'ai tué un pillager avec une bannière et bam, j'ai gagné un sub. Oh putain, je vais tuer tous les pillagers. Il faut que j'affronte tous les villageois avec des bannières. Merci, ouais. Takumi. Oh oui, c'est le raid. Mais moi, je voulais juste un cléric. Ils sont en train d'essayer d'attaquer les villageois. Arrière, bah non. Ne touchez pas à ma matière première. Qu'est-ce que je vais faire pour obtenir le vil aïe? Si vous les tuez tous, vous êtes complètement cons. En ouais. Plus, ça va être un raid en 4 étapes. Putain. Le bourbier. Oh! Un chameau! Ah non, c'est un dromadaire. Mais j'aime bien dire chameau, en fait, c'est le problème. C'est juste que chameau, c'est trop agréable à prononcer. Alors que dromadaire, il y a 3 syllabes. Voilà. Et ça, c'est compliqué. C'est aussi un débat. Mais bon, on en parlera plus tard. Allez, venez là, venez. Ou alors, on en parlera bien, on s'en fout, mais. Ah si, 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 mais un vrai débat. Hein. C'est important. On voit que le Dark est fatigué. Hein. Non. Bam! Bam! Je suis en train de me faire un raid à moi tout seul. La gourmandise.
Il faut sauver les villageois pour leur donner un métier. Putain, mais ils sont 15 000. Bon, en fait, je les sauverai pas. Oh non. 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 Sauve les villageois. Non, putain, j'ai tapé le golem. Non. Sauve les villageois. Ah voilà, il a agressé les villageois. Mais non, je l'ai pas agressé. C'est lui, là, il s'est mis en travers de ma route. Oh, tu vas pas me casser les couilles, toi, hein. T'as cru que c'était la police? Putain, il résiste bien à ma magie, ce bâtard, hein. Oh, un évocateur, carrément. Un évoqueur. Évocateur. Me. Ouais, y'a pas de mort-fils. L'exotique, ah, il est dans le stockage. T'as fait l'exotique? Ouais. Putain, il nous en manque un. Oh, faut qu'on chope une sorcière, au pire. La sorcière sera plus simple. Bon, tranquille. Y'a des pillageurs partout. Pourquoi tu te concentres sur moi? Bonjour. Mais regarde derrière toi, tu ne vois pas la réalité en face. Tu es corrompu, ils t'ont payé. Ah! Ah, ça y est. Voilà. Pourquoi je saute plus haut qu'avant? Voilà! Extérieur. Kill point. Ah bah tiens, un autre œil encore. Ça doit tout et n'importe quoi là-dedans. Cross necklace. Non, complètement cher, ouais. J'ai l'impression qu'il va me faire du jazz. C'est pas terrible, hein. Moi, je suis très déçu. T'es qui là? Quand t'es prêt. My body's ready. Oh, ils arrivent! Mais j'ai rien fait! Mais pourquoi ils attaquent? Mais ils sont complètement cons! Mais c'est pas possible! Tu les as agressés? Mais non, je les ai pas agressés! Bonjour. À mon avis, c'est un pillager. Ah non, mais lui, on peut encore trade avec lui. On peut encore trade avec lui. Vas-y, vas-y. Passe. Ouais. Je sais pas si c'est ce que tu veux, mais voilà, je t'ai ramené ces quatre trucs là. Oui. Il est où? C'est pas lui. Bon, bah, c'est le violet. En fait, ils se sont énervés parce que c'est les pillagers qui les ont attaqués. Il est où? Si ça se trouve, il s'est fait buter. Putain! Oh, il y a deux sorcières! Waouh! Des sorcières, bonjour sorcière. Allez! Bonjour madame! Où est-ce que vous êtes madame? Je vais vous péter la gueule madame! Je la trouve pas. La deuxième. Elle est planquée? Attends, il y a un cléric là. Fou, j'ai bien aimé les deux premières saisons, j'ai décroché la troisième. Moi, c'est l'inverse. C'est la première a mis un peu de temps à se mettre en place, mais alors une fois que c'était en place, oh, je me suis régalé. Hein. La première, la cible, c'est vraiment des enfants, alors que la troisième, bah, c'est ça. C'est ça, exactement. Je trouve que le truc, au début, bah, moi je l'ai découvert, j'étais gosse, et donc ça passait sur France 3. J'aimais bien, mais en plus, c'était compliqué à regarder. Comment dire, à suivre, parce que ça passait à la télé, donc on n'avait pas encore ce truc. Fallait choper le bon moment, la bonne émission, tout ça, donc que toutes les planètes soient alignées. Donc j'avais un peu de mal, puis c'était très jeune, donc mon souvenir a fait que j'ai mis un peu de temps. Après, je les ai retrouvés sous forme où tu pouvais les regarder en format streaming, et là, quand tu peux enchaîner les séries, la première, bon, après à la deuxième, je t'en veux, waouh. La troisième, là, j'ai fait, ouais, ok, je veux la quatrième. Balancer de la quatrième, là. J'en veux, là. Ils ont fait un Kickstarter parce que France 3 voulait plus... voulait pas... Ouais. Financer, justement, parce qu'en fait, c'est devenu trop adulte pour eux. Ça les intéresse plus, vraiment. Mais qu'il est... C'est pas un pupitre, le cléric? Non. Triste. Ça, c'est Marshall, saute pas! Marshall, tu vaux mieux que ça! Marshall! Non, Marshall! Fais pas ça, Marshall! Pense à ta femme et à tes gosses, putain, Marshall! Non! Marshall! Putain. C'est un brewing stand? D'accord. On t'a pas du tout vu le pousser. Hein. Pas du tout, hein. Tu tenais pas... Franchement, j'ai essayé de lui attraper la main, mais elle glissait. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Caillou. Ouais, c'est ça. En plus, tu te moques de moi! Non, je voudrais jamais. Pas de sorcière, elle parle. Un bébé zombie. Nicolas. Nicolas, qui est chef cuisinier.
Nikola Tesla. Ils ont des noms, c'est marrant. En fait, on a le même type de village à la base, donc à un moment, je vais me dire, je vais aller me faire un cléric, mais... Non ! Non, non, non ! Oh, j'ai spam ! J'ai spam, mais j'ai pas réussi. Ah, j'ai buté un creeper dans la foule. Il était juste derrière, il avait eu pété la tronche. C'était pour la sauver, hein. Oh, l'explosion, elle a mis 8000 ans. Ouais, toujours pas. C'est une jolie hutte, mais toujours pas. Bon, je vais tenter le coup du village pendant que tu fais ça. Je vais essayer de créer un cléric, l'élever. Mais tu sais, c'est pareil, le cléric, il est pas dit qu'il nous lâche son putain d'œil. Comment ça va? Bah écoute, très fatigué, donc je dis n'importe quoi. Voilà, firework, mais sinon ça va. C'est un peu de l'incohérence cohérente. De l'incohérence cohérente. Mais non, mais aussi, t'imagines, on commence le live, on avait un plan, le plan s'est effondré en moins de 5 secondes. Pourtant, j'étais fier. Hein. À partir du moment où on confond 9 et 12, hein. Bah, 9 et 12, oui, mais bon, personne me... Voilà, hein, tu vois, mais bon, j'ai fixé un objectif, donc en même temps, je comprends que personne m'ait rien dit. C'est dit, bon, le mec est dans son trip, voilà, quoi. On va le laisser, on va le laisser délirer 3 secondes. Bah, tout c'est pour live, hein, donc... Oh, tout ça, et ben... Ah, du coup, il shoot dans son micro. Tout va bien. Reste avec moi, Marshall. Marshall. Putain, c'était un chic type. J'ai pas pu le connaître très longtemps, mais franchement, j'ai senti que c'était une bonne personne. Récupérer la cobblestone, bam, bam, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va chercher les villageois. Alors, le problème, c'est que bon, forcément, ils vont vouloir des trucs. Il va falloir que je revienne à la base un moment, sûrement pour faire, pour dire oui, tu veux quoi? Allez Norbert, en avant, fais pas comme Marshall. Wouah! Wouah, ils ont carrément des engrenages qui tournent et tout. Wouah, ils sont stylés! Les Golden Golem. Wouah, c'est des Space Marines les trucs. Mais où sont les villageois? Ils sont tous morts là-haut? Ils ont été tués? Non, il est magique. Everlasting Beef, j'ai retrouvé l'artefact du buff éternel. Œil de sorcière, c'est... Pupille de sorcière, c'est la pupille de sorcière qu'on cherche. Oui. Pourquoi t'en as ? Non, non, non. C'est Tracy. Salut Tracy. Hey, t'es au pire endroit pour que je te donne un métier là. Alors attends. Hey Tracy. Si je pose ça ici. Tracy, je suis ton ami. C'est Chapman. Il a mis un vent de fou. Mais Yves, c'est peut-être pas un bon village. Hein. Je vais aller voir sur un village où ils ont pas de nom. Parce que eux, dans les villages aériens, ils ont des... Ah, le fait qu'ils aient des noms, ça. Ouais, peut-être... Attends, j'ai retenté mon saut, là, je sens que ça... Attends. Oh, Peg, il a fait durcir son panneau solaire. Ouais. Désormais... Je génère plus d'énergie et plus dur. Village Cherry Blossom. Téléport to the Waypoint. Nous arrivons donc dans la formidable contrée du... Oh. Alors lui, il a un métier déjà. Donc à mon avis... Et tu vois, ils ont pas... Ah si, ils ont des noms. Il s'appelle Linel. Linel ? Alors faut le buter, hein. C'est un centaure. Ah ouais, il va donner des armes, là. Ça va être pas mal. Travaille. Ah voilà, il travaille. C'est bon. Un émeraude de redstone. Caillou. T'as des émeraudes sur toi? Sur moi, oui, mais je suis pas à la maison, donc... Il faut que je l'enferme. Il me faut des... soit des émeraudes, soit de la viande de zombie. Tu peux m'en amener? Non. Ah, il est expert. Il est expert, c'est pas fini. Il a des verrues du nether et des fioles d'expérience. Ah, oh, casse les couilles, putain, c'est un échec. Voilà. Non employé. Ah. Bam, prends le métier. Let's go. C'est levé. Il y a au moins 7 sorcières. Oh vas-y, la witch pupille. C'est un swamp village. Oh, swamp village. Mec, garde le... Village. Ouais. J'ai encore échoué, mec. Pourquoi j'arrive C'est vraiment... C'est vraiment un mode de merde, quand même. Hein. Oh, putain. C'est que ça à foutre d'aller voir des clérics toute la journée et de faire eh oh, en fait ah, c'est un village de sorcières. Ouais, c'est bah, c'est exactement ce qu'on voulait. Et on est en train de les exterminer, c'est totalement un génocide. Le pire, c'est qu'elle donne pas de witch pupil hein, pour l'instant. Ah, que dalle, hein. Puis là, genre, ah, si, il y en a une au loin là-bas. Et 10%.
vient d'éradiquer. Il se fout de notre gueule. Port d'énergisant durci. Oh oui. Il a durci son road. Son bâton est dur, c'est marqué. J'ai l'impression de tout avoir essayé. Le cléric, ça veut pas. Bon, moi, je vais recommencer une fois ou deux, mais. Putain, flemme de fou, quoi. C'est qu'il y a full enchant pour drop l'autre œil. Mais je sais que le full enchant, c'est pareil, 1% de chance. Non, mais c'est ouf, on a juste une pupille. D'habitude, on les a vachement plus facilement. Hein. Et d'habitude, on a des looting 3 sur nos armes aussi. Non, parce que ça dit bien un œil de l'Ender et une witch pupille, 10% de chance de witch drop non affecté par looting ou cause de la mort. Le loot n'influe pas là-dessus. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi, Peg? Cellule d'énergie durcie. Je suis tout dur de partout. Alors. Ouais, hein, mon panneau solaire est tout dur, mes câbles sont tout durs. Ah oui, c'est du hardenet partout. Est ouais. Tout dur. Allez, tout est dur. Ok. Tu vois, tout est dur. Bon, alors, eh ben. Sinon, accessoirement, bah, je suis en train de concasser, là, les macérer les minerais. Ça me triple le. Le macérator, il permet de tripler? Ouais. Ah, génial. Bah écoute, l'objectif, la suite de l'objectif, ça va être de faire la Steel Wire Mill. Donc il va te falloir sûrement une, la forge derrière hein, pour utiliser, faire des pièces. Donc il va te falloir des bronze plates, les bronze rings, les bronze bolts, tout ce qui va permettre de faire la Steel Wire Mill. Donc celle-ci, t'as du fluid pipe aussi. Le fluid pipe est fait également à base de copper et de bronze. Bon, après, t'as besoin que d'en faire un, je pense, pour en avoir 16. Ce sera suffisant puisqu'il en faut deux. Il te faut un steel machine casing qui va demander du steel plate. Bon, j'en ai fait en bas, hein, donc tu peux aller en récupérer dans le blast furnace ou soit dans le stockage, il y en a. Normalement, c'est pas le plus compliqué à faire vu que c'est que du fer. Et voilà, quoi. Après, le reste, les bronze gear, quoi. Tu dois faire des 4 bronze gear, 2 bronze rotor et un steel machine casing. Le JCGD, putain. Ah, ça y est, tu l'as vu, j'ai mis il y a 2 lives déjà, je crois. Oui. C'est le restaurant qu'on a sur Plateup, le JCGD. C'est notre restaurant. Darky. Mais ça ressemblait à Jean-Claude Van Damme, j'ai rangé les lettres. Voilà, let's go. Tu as été sélectionné. Don't move, don't move, don't move, don't move. Don't panic, don't panic, my brother. Toup, toup, toup. C'est le troisième et c'est le dernier que j'essaye parce que ça coûte un pognon monstre. Hein. Putain, il me pousse. Il me pousse, ce bâtard. Nous avons une patte de lapin. Oh, on a une patte. Ouais, non, alors, du coup, non. De toute façon, je m'en fous, je suis l'oncle aigri de la famille. C'était le bro. Oh, je l'ai. Ah, il a... 32 émeraudes, une patte de lapin. Je l'ai, putain. Et là, c'est le drame. Oui. Non, c'est bon, je l'ai. C'est la seule patte de lapin, et je sais, c'est pour ça que j'ai dit à Peg, je peux pas utiliser une patte de lapin, c'est la seule qu'on a. Cynthia! Oui! Je suis fou de toi, Cynthia! Ok, on y va. Ah! Look at me! Pourquoi ça marche pas? Il faut attendre qu'ils dorment et qu'ils retournent à leur table. Ah! Bon, je vais me foutre en l'air. Vas-y. J'en ai marre! On va chercher des ciseaux. C'est vraiment le pire mode de merde de... Putain! Je vais brûler ton village, Cynthia. Je te le dis dans les yeux, là. Oui, tu peux me regarder comme tu veux, je vais le brûler, ton visage. J'en ai marre. Seulement, une fois qu'elle te file l'œil, après tu le brûles. Pour l'instant, tu le laisses tranquille. Non, mais c'est pas possible. Cynthia, pourquoi tu me fais ça, Cynthia? J'étais sur le point d'y arriver. Donc, l'heure de se coucher, bientôt. C'est fait. Hein. Steel Wire Mill, c'est fait. Ouais. Oh, la dengue. Tu nous as donc fait... efficace, moi. Lui. Seulement lui, hein. Tu devrais la mettre à l'abri parce que si jamais il y a des gens qui attaquent. Non, je vais me coucher. Attends. T'es sûr qu'elle aura le temps de dormir si tu vas te coucher? Ou soit j'attends qu'elle dorme. Faut attendre qu'ils dorment et qu'ils retournent à leur table apparemment. Si un villageois il dort, est-ce que si on dort ça réactive le trade ou pas? Tu passes la nuit dès qu'elle est dans son lit, apparemment, d'après ce qu'on dit dans le chat. D'accord. Vous pouvez dormir? L'un de vous peut dormir? Alors moi je peux pas. Encore une fois, je suis dans un... Moi, je vais poser mon truc et je me fais un lit. Voilà, comme ça, je dors à côté de Cynthia. 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 Pour c'est... moi. C'est toi. Rien ne compte plus que ça. Reviens, Cynthia. Putain, je lui fais un poème, elle se casse. Ok, il y a son bloc.
Je sais plus où je l'ai mis son bloc. Pas le temps de faire des poèmes, elle est déjà partie. Cynthia, you. Putain, je sais plus. Je sais plus où elle est. Elle est partie trop vite là. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas grave. Oh putain. Cynthia me trompe avec un autre villageois. Avec qui? Avec Nikia. Eh ben, Nik. Bon, alors. Non, il y a toujours pas de stock. Il y a toujours pas de stock. Ah ouais, elle était pas au niveau de son lit, mais elle est partie dormir n'importe où aussi. Non, il y a plus rien, c'est fini. Mais comment on va faire là? Qu'est-ce que tu branles, Cynthia? Oh, en train de partir dans les tréfonds du truc là. Je suis en mode non. Pourquoi tu veux aller là? Non. Pourquoi t'es débile? Pourquoi t'es super giga débile? Putain, j'ai jamais vu un PNJ aussi débile. J'en peux plus. On a déjà vu. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous ultra débiles. C'est incroyable comment tu veux pas survivre. Elle vient d'où? Elle vient de là. Allez hop, plus de cascade. Vous êtes privé d'eau. De toute façon, y a rien là-haut. Je comprends pas ce que vous foutez là. Ensuite, Cynthia, reviens là. Ensuite, Cynthia, privé de dessert. Non, mais putain, mais pourquoi tu veux sauter sur chaque bloc que je te mets? Va là. Ça va m'énerver, hein. Cynthia, attends, va pas. Sonne la cloche, il retournera à son lit. Ok. T'as entendu la cloche? Oh putain. Entends la cloche. Bah, attends pas du tout la cloche. Voilà. Je vais utiliser un seau d'eau si t'arrives pas à bouger d'ici. Bah tu vas bouger hein. Voilà. Je sais pas par quoi t'es attiré. C'est pas par là, casse-toi. Oula, c'est le siège qui commence à péter. Ouais, ça rachesse. Par ici, allez, viens par ici, allez, viens par ici, voilà. Allez, un petit effort. Allez, on monte le bloc, c'est bien, Cynthia, il est sage, hein. C'est bien, Cynthia, il est bien. Allez, grimpe, voilà, c'est bien, brave bête. Allez, encore, encore, allez, encore, encore, voilà. Voilà, 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 voilà. Tu viendras plus jamais là-dedans. Sorcière, sorcière, regarde à ton derrière. Est-ce qu'il y va? Oui, il y va, il y va, il y va. Let's go. Allez. Darky, j'ai gagné. Comment ça t'as gagné? C'est moi qui ai le pupille de sorcière. Du coup, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui fais un œil avant toi. Oh putain. Oh mec. Oui, vous avez raison de continuer. Allez, on rentre à la base. Eh, Cynthia, elle dort? Elle dort? Attends. Non, elle dort pas, non. Mais elle est en haut. Pourquoi elle dormirait? T'as vu l'heure? Fait jour. J'ai plus de bloc sur moi. Hein? Je l'ai! Je l'ai! On casse les couilles! Tu vois? Connasse! Pardon. Bon. T'as vu, j'ai bloqué la porte, elle pouvait pas s'enfuir. Oh, comment j'ai été sous l'aide! Mais bon, on allait réussir, hein, mais. Wow. Du coup, Balen, ce sera la prochaine. Oh, ça tourne. Beyblade! Eh, ça se trouve, on se téléporte à la fin. Waouh, ça c'est bien ça! C'est moi où il s'est déplacé? Ben, ah, c'est quoi? Il tourne dans tous les sens, qu'est-ce qui se passe? Moi, la vitesse. Ah bah tiens, t'en voulais un tout à l'heure. Oh putain, oh putain, Spellblade, Spellblade. C'est maintenant. C'est juste dans le cœur. Merci pour la sainte menthe. Non. Prends ta thune. C'est bon, bienvenue. Et propose des sorts. Magister approval. J'ai l'approbation des magisters. Attends. Avec le nombre de magisters que t'as buté, bah bravo. Ah, je suis Chuck Norris. Oh regarde, regarde, j'ai créé une armée. Regarde. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce
ils me font peur là. Bah ils sont en train de me bolos, voilà. Oh merci. Putain, mon armée t'attaque. Hop, on va fermer les portes avant qu'il y ait un accident. Parce que moi j'ai le magister approval. Quel bâtard. Oh attends. Tant pis pour le... Ça ne peut pas durer comme ça, ma. Ne blessez pas mes animaux, attention. Il y a un bloc de verre qui a été cassé, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas... Non, c'est pas moi. Et du coup, je suis déçu parce que c'est pas ça. Et du coup, la dimension des mages, je sais pas où elle est, mais c'est pas maintenant, mais c'est pas grave parce que Beyblade, ça tourne fond à la vitesse. Donc, ce soir, ce qui a été fait, retrouvez les yeux. On a fait du steel parce que Peg a fait du steam. Alors, le cocoven, on en a pas besoin en fait, hein, pour l'instant. Donc voilà. En cours. Si. Ah, si. Il y en avait quand même besoin. Si, il y en a besoin. Parce que à un moment il faut faire un truc en invers. Donc, ah, donc invers, ça, je l'ai fait, c'est bon. Oui, avec le ouais. Mais il faut du lubrifiant. Et le moyen le plus simple, c'est via le cocoven. Ah d'accord, ok. Donc il faut le faire. Okay. Donc je suis en train de le faire. Là. Si tu veux, j'en ai à la maison du lubrifiant. C'est le mec qui va lui sortir son gros pot de vaseline là. Allez, let's go. Retrouvez les yeux. 12 sur 12, c'est fait. Electrochemical Mixer, c'est en cours. Le Steam Query, c'est en cours. Et le Cock Oven, c'est en cours. Mais voilà, dans ce qu'on avait à faire... Mais j'ai bientôt fini le Steam Query en plus. Hein. Mais voilà, il faut du lubrifiant. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, pour les objectifs aussi côté machine, parce que du coup ça a pu avancer. Et puis c'est bien, Jurex pouvait pas venir, la prochaine fois elle sera là pour faire l'Ender Dragon. Donc on aura donc trouvé l'End et tué l'Ender Dragon, ce sera sûrement nos objectifs de la prochaine fois. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live, merci pour votre soutien, pour votre présence, comme d'habitude, ça fait très plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, les lives tous les soirs, 21h-22h, le début du live, évidemment, et pour production généralement, c'est le vendredi, sinon regardez notre planning qui est disponible évidemment sur Twitch, sur Twitter, en épinglé, sur Discord, dans l'onglet spécialement dédié au planning. Voilà, vous pouvez même mettre une petite notification pour l'avoir dans votre channel, c'est pas beau ça? Ah si, c'est beau. L'onglet communauté de YouTube évidemment, et sinon, sur Twitch, la page de Twitch, tout est dans la description, des bisous, ciao à tous et à bientôt. Bye bye.